Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on ouvre la case numéro 5. Alors, la case numéro 5, elle est là. Alors, hop. Et ce sont des sequins. Alors, c'est un peu couleur bronze, on va dire. Alors, je vais sortir un petit peu parce que je vois que vous voyez pas. Hop, donc voilà. Je crois que c'est un peu couleur bronze. Hop là. Donc ça, c'est parfait pour faire des petits shakers. Donc voilà pour la petite case. Et pour le papier, aujourd'hui, c'était un bouquet entre parenthèses petit. Donc, je récupère l'étiquette. Hop. Les autres étiquettes sont là. Voilà. Et on va ouvrir ce petit paquet tout mini. Alors, je pensais peut-être à des petits arômes là de chez Action. Oh, le scotch est plus gros que le paquet ou quoi? Voilà. Oh, ah ben c'est un tampon avec des dailles. Des fleurs. Tampon d'ail, eh ben super. J'en ai pas, donc c'est parfait. Voilà, encore une fois, une chose qui me servira. Donc, pour demain, le numéro 6, c'est « Tu les auras eu quand même ». Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il y a plusieurs choses, j'ai l'impression. Là, on dirait qu'il y a un gros truc, et là, un truc plus petit. On dirait un bruit de perles, je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça peut être. De toute façon, dans mon action, il y a plein de choses qui passent que je n'ai pas. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Donc, voilà, je vous remonte le numéro 5. Donc, c'est le tampon et le dail assorti. Voilà, voilà. Donc, merci Carole, encore une fois. Je vais faire un petit récapitulatif vite fait de ce que moi, je lui ai envoyé jusqu'à présent. Alors. Donc, dans la case numéro 1, elle a eu... une planche de tampon sur Noël avec des phrases en français et un trombone altéré sur Noël. Le 2, c'était la carte Memory Dex. Le 3, c'était des breloques en métal. Et le 4, c'était une collection de die cut de Noël. Voilà. Pour le 5, eh ben, vous irez voir son Instagram. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.